Sunset Mountain, au nord de Tucson, en Arizona, 28 février 1963, États-Unis d'Amérique. Au-delà de toute imagination, à 42 km d'altitude, apparaît une île surnaturelle, inexplicable par la science, mais bien détaillée par les prophètes messagers de l'âge, plusieurs jours avant. La constellation des sept anges, disposée en forme de pyramide, est venue apporter la révélation des sept sceaux au prophète de Dieu, William Marion Branham. La photographie publiée le 17 mai 1963 par l'un des plus grands hebdomadaires américains de l'époque, Life Magazine, a fait le tour du monde. Elle a subi les tests, retests, mais sans aucune explication concrète de la part des scientifiques. Aujourd'hui, 54 ans après cette apparition, les avis restent encore partagés quant à la date du 28 février. Le 28 février n'est pas exactement la date où Frère Branham serait là à la rencontre des anges qui sont venus de l'éternité. Ce que nous avions pensé hier n'était pas l'exactitude de la vérité. En vérité, c'était le 8 mars que finalement Frère Branham a rencontré les anges dans cette nuée de gloire qui est l'accomplissement de toutes les Écritures. Donc on ne peut pas vraiment tournoyer là. Frère Branham n'a jamais parlé du 28 février. C'est dans les journaux là où les scientifiques ont fait des calculs. C'est les scientifiques qui ont dit que c'était le 28 février. Ok. Frère Branham n'a jamais dit que c'était le 28 février. Frère Branham n'a pas aussi donné une date où c'était les 7 et les 8 mars comme les autres aussi en donnent. Maintenant, il y a un combat entre les gens du 28 février et les gens du 8 mars. Moi et les gens du 28 février et du 8 mars, je suis nulle part. Enfin, je n'ai pas vu Frère Branham parler. Mais les gens de mars, ils sont dans les messages. Mais pas le jour, mais moi là. Mais moi, je ne confirme pas la date là, parce que Frère n'a pas dit ça, tu me comprends? Mais le mois de mars, Frère Branham dit qu'il est allé à la chasse. Là, je confirme. Si Frère Branham ne précise pas clairement les jours de l'apparition de cette nuée, il ne contredit pas non plus la date du 28 février, telle que mentionnée sur la page 112 du Life Magazine. Pour de nombreux croyants à travers le monde, la descente de la nuée surnaturelle demeure un signe majeur et beaucoup choisissent même de se rendre sur les lieux où s'est produit l'événement en organisant des services de prière sur place. La montagne des Sunset à Tucson en Arizona accueille chaque année plusieurs visiteurs en provenance de différentes villes du monde qui viennent contempler cet endroit exceptionnel qui marquera jamais l'histoire du message du temps de la fin. C'est la fin.